Jeff, nous avons Brandon, nous avons Pauline, nous avons Steve. Bienvenue. Alors, je ne sais pas trop où je me mets. Salut, bienvenue. Bonjour, enchanté. Je suis très contente de vous accueillir. Bienvenue sur le plateau de Je t'aime, etc. S'il y en a qui veulent venir en faire, n'hésitez pas. Hein. Donc, vous êtes tous originaires de Nanterre. Et donc, comment on prononce vraiment votre groupe ? On est Rob Styler. Rob Styler, donc bah c'est oui. Bon. Alors la discipline, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle le double dutch. Le double dutch, très simplement, c'est une activité sportive qui allie la danse et la gymnastique, en fait. Comment ça s'appelle ? Des acrobaties, en fait. Oui, mais il y a quand même la notion de oui. corde à sauter. Oui, et en fait, il y a des cordes à sauter. Et c'est là que c'est bien compliqué. Vous, c'est hyper simple pour vous. Pour nous, ça l'est beaucoup moins. Hein. Donc, dans cette discipline, donc, vous avez sur ce plateau les meilleurs en France et puis dans le monde aussi, merci. D'ailleurs, hein, on peut le dire. Ils ont gagné beaucoup de compétitions. Je crois que vous êtes sollicité d'ailleurs par des grandes marques pour faire des démonstrations un peu partout. Comment vous expliquez que cet engouement autour de cette discipline ? C'est la communication. On a beaucoup communiqué sur les réseaux. Et c'est une discipline qui est assez simple et qui est fédératrice. Donc beaucoup de gens aiment. C'est quelque chose qui apporte du moins du rêve. C'est joyeux et ça permet. Ça change en fait par rapport à la danse hip-hop. En vrai, tout le monde peut en faire ? Oui. Soyez honnête. Oui, c'est bien très simple. Sûr que non. Vous pouvez même essayer. Non, mais moi, je sais que. Mais c'est quand même. Ça demande quoi comme condition physique ? Oui, beaucoup. C'est tout ? Du rythme. Ça va ? Alors, déjà, rien que de faire ça, ça demande un périnée musclé. Hein, pour commencer comme ça. Non, mais pas que les femmes se marrent, mais oui, bien sûr. Alors, donc, vous allez nous faire une démonstration ? Oui, ils vont faire une démonstration. Ok, moi, je me mets sur le côté. Oui. Ouais. Alors, place au spectacle. On vous laisse. Je me mets sur le côté. Je me mets là pour voir à quoi ça ressemble. Vous voulez essayer à tout moment ? The Rope Stylers. No son ni Ryu ni Sonai, sin estilista luzco fly. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo digo porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Si esto te vi, tengo claro que es mi culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Lo dejo ciego con la vibra que me alumbra. Hey, eres pa' la tumba, nosotros pa' la runa. You came to get it on. 45 O's in your bank to get it on. Roll up like that, so you can get it on. Flip it on, came to get it on. Hold up, you wanna work that. Let me hurt that. Till you gotta hurt that. Can't spit it out, boy, you gotta hurt that. Can't cut a rap that we doing, it wasn't worth that. So we am responsible for bringing dirt back. Qui se fait rare à la télévision et qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Merci infiniment, Isabelle.
Ça s'appelle Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. C'est diffusé tous les samedis, tous les dimanches à 15h sur Europe 1. Si vous voulez passer une heure un peu spéciale avec cette femme, eh ben, on vous le conseille chaudement. Et c'est disponible en podcast aussi. Ok, d'accord. Allez, on y va. Et moi, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je sors. Et je vous souhaite une bonne après-midi avec Sophie Davant. Bonne journée.